Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'aventure minecraftienne. Donc aujourd'hui, j'ai un nouveau pack de textures. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté, les amis, où je présentais des packs de textures. J'avais dit que je mettrais le pack de textures PVP. Mais j'ai eu un coup de cœur pour ce pack de textures. Mais franchement, je suis sûr que vous êtes beaucoup d'entre vous à le connaître. C'est le magnifique pack de textures. Le magnifique pack de textures se nommant tout simplement Pur BDcraft. Donc il est vraiment magnifique. Moi j'adore ce pack de textures. C'est vraiment mon pack de textures préféré. Il est magnifique. Genre, c'est vraiment excellent. Tiens, une chose intéressante. Les villageois n'ont pas été modifiés. Donc ça veut dire que que ça n'a pas été mis à jour. Ça fait tellement plaisir de se retrouver avec Pur BDcraft. Punaise, ça fait vraiment énormément de temps, les gars. Punaise, je redécouvre le pack de textures. J'ai jamais vu les golems de fort avec Pur BDcraft. Ça, je vous l'avoue. Il est tellement stylé. Franchement, il n'y a pas à dire, il est vraiment magnifique, ce pack de textures. Bon, juste le truc un peu dommage, c'est que la cloche et tous les nouveaux blocs n'ont pas été encore mis à jour par le pack de textures. Du coup, voilà. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on va faire des trucs. On va faire des trucs. Ah oui. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant la manière dont on pose. Ok. Le pain, la texture de tous les trucs. J'ai envie de voir si les bruitages ont été... Alors, attendez. Ah non, dommage. Les sons n'ont pas été ajoutés. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai un magnifique pack de textures. Et bah, je suis très content. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en exploration. Donc, je vais paramètres. Oh là là. Oula. Oula, c'est un peu chelou. Attendez, on se retrouve dès que c'est bon. Bon, le pack de texture est un petit peu bugué. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc, attendez. Ça. Donc, il me semble... afficher les coordonnées. Et voilà. Donc, on va retourner en jeu. A tout de suite. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà, franchement, j'adore, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est bon. Alors, on a les coordonnées. Alors, c'est un peu bugué. C'est quand même un petit peu bugué. Les coordonnées qui s'affichent tout en haut, en haut. Alors, attendez, juste, je suis désolée. Ah, punaise. Bon, on va se repérer. Vous inquiétez pas. On va y aller. Bon, maintenant, on va partir se balader un peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où pourrait-on partir? En fait, les coordonnées ne bougent pas. Donc, en fait, je pense qu'il y a un petit bug avec le pack de textures. Ma version de Minecraft, mais bon, ça c'est qu'un détail. Hein. Donc, on va aller là-bas. On va aller chercher un peu de canne à sucre, tiens. Faire de la canne à sucre. On va aller chercher dans la canne à sucre. Un village PNJ, j'y crois pas. C'est quoi cette chance de malade? Non, franchement, là, je suis vraiment très content. Donc, oh putain, je galère à poser des blocs.
L'homme un peu pourri, mais pas trop non plus. Punaise, j'ai tenté un double jump, ça a complètement foiré. Ouh, un lac de lave, ça va être très intéressant pour la suite. Ouais. Je suis content qu'on ait trouvé un village quand même. Oula. Qu'est-ce que c'est ? Torche. Ah, ok. Elles avaient arrêté leur animation, du coup je me disais, mais ça marche plus. Si. Ah, un coffre. Ça m'intéresse. Quoi ? Juste en fer et tout. Et moi, je vais tout prendre. Hein. J'en fous le fer. Mais en vrai, il n'y a rien du tout dans la four. Alors, attendez. On va continuer la petite visite. Oh, terre cuite à émaillé. C'est trop stylé. Non, ici, il n'y a rien, il me semble. On va dormir. Je veux dormir. Voilà. Ok. Maintenant. Allez, on va monter parce qu'il y a un coffre dans ces tours. Il y a un coffre par tour. Okay. Livre. Pas des trucs extrêmement intéressants, mais je prends quand même. Il y avait une deuxième tour, il me semble. Oui, c'est bien ça. Ok. On va monter tout en haut de la tour en prenant bien évidemment ce qu'il y a dans le coffre. Faudrait que je me fasse une petite ferme à cactus. Je pense. Ce serait plutôt pratique. Allez. Oh, punaise. En plus, je suis tombée, quoi. Quoi, il y a encore ? Non, mais je suis désolée, mais il y a des tours de partout. C'est n'importe quoi. Ouh, intéressant. On a des émeraudes ici. Ouais, très très intéressant. Cool, encore de l'émeraude. Ok. Punaise, j'ai mis ma pioche dans le coffre sans faire exprès. Ok, bah, c'est nickel. Moi, je suis content. Bon, les gars, j'ai fini d'explorer le village. Il y avait pas tellement de choses intéressantes. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de s'explorer des villages. Par-ci, par-là. Ouh, de la canne à sucre. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, voilà. Prochainement, je vais faire des vidéos sur Mineplex, un serveur. Et je vais faire du Skywars. Hein. Enfin, du Skywars. Je vais faire du Cake Wars. Pour un peu changer d'habitude, parce que c'est vrai que c'est un petit peu énervant de faire toujours la même chose. Donc voilà. En tout cas, c'était Loris. Salut tout le monde. Ciao, ciao.